Donc, c'est la crise économique, mais c'est aussi le son est arrivé au cinéma à la fin des années 1920, début des années 1930. Pour les amateurs, c'est un défi parce que, évidemment, c'est beaucoup plus coûteux comme équipement, mais aussi l'industrie met quelques années à trouver une façon d'enregistrer le son avec les pistes optiques. Sur la pellicule 16 mm, c'est une piste optique qui est très presque microscopique. Donc, mais déjà, au milieu des années 30, on a du 16 mm sonore. Donc, je pense que ça, c'est un des premiers projecteurs 16 mm sonore. Oui. Puis, je sais que ça s'ouvre, cette boîte-là. Je sais Ah. qu'il y a un projecteur quelque part à l'intérieur, mais à chaque fois, c'est le défi. Voilà, alors vas-y, trouve. En fait, je crois que Voilà, j'ose pas voilà. forcer, mais Bon, je attends, pense que je c'est pas pense ici. que. Ah, je l'ai. Voilà, tu l'as. Voilà. Alors c'est très astucieux, on va le tourner. On voit que c'est l'époque du streamline, de l'art Sublime, oui, regardez le déco. design de cet Ouais, appareil, c'est extraordinaire. Puis je crois que, point de vue technique, c'est un appareil très sophistiqué. C'est un appareil à croix de mâle, c'est pas une griffe qui entraîne la pellicule. C'est comme dans la plupart des projecteurs professionnels, une croix de mâle qui. La position des bras, ah, ça c'est le bras récepteur pour la bobine réceptrice, c'est particulière aussi. Parce que le but était de pouvoir fabriquer un projecteur luxueux qui pouvait se déposer sur une table de salon Donc c'est bon ça, bourgeois. voilà, elle tourne ici, Ouais. voilà, elle fait comme ça. Donc la bobine, on a la bobine débitrice Oui, qui est parce ici dans cette direction-là. ici on a le. Voilà. Puis à angle droit, devant, on a la bobine réceptrice. Voilà, ici tu es comme ça, ici tu peux écarter les choses, ici, là, voilà, tu Ah peux oui. mettre ça ici. Donc tu écartes, là ici, hop, comme ça, vert, direct, ouais, c'est juste ça, c'est hyper pratique. Ici, ça c'est pour Bon. monter. Et là, la bobine est là, elle s'en va sur la deuxième ici. Voilà. 16 mm. Non, vraiment, un des projecteurs. Et le coût, quand c'est sorti en 1937, c'était 1000 dollars. Oui, pratiquement 1000 dollars. Ça veut dire qu'on parle de. En dollars de 1937. Dans 1937, on Ouais. parle de 15, 15 000, 20 000 Ouais. dollars l'équivalent, à Le peu prix près. d'une voiture. Le prix d'une voiture. Mais ça, il savait que ça n'avait aucune valeur commerciale. Il l'a fait, comme vous avez dit, pour Je garder les pense qu'il y a employés. eu, je ne sais pas, 100, 200, je ne sais pas exactement, mais il y a eu, il a été fait à. C'est peut-être une Ben, question. c'est un petit peu comme les grosses compagnies font à un moment donné un produit Ouais. prestige, Oui. mais qui savent qu'ils ne rentreront pas dans leur argent, mais c'est un produit prestige.